tous la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous saluons tous les frères et sœurs qui prient chaque matin avec OSB. Je voudrais vous rappeler que c'est cette semaine, le samedi 3 septembre, que nous aurons notre grande rencontre pour ceux qui aiment la prière. Nous allons nous retrouver le samedi 3 septembre à partir de 8h à Abidjan, à l'auditorium de la mission Ephrata, sur la route de Bingerville, où nous allons développer ce thème. Lève-toi pour entrer en possession de ton héritage. 5 heures de prière, de combats spirituels et de proclamations prophétiques. Ne manque pas. Nous poursuivons notre étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu El Shaddai. Et notre passage de base, c'est Genèse 17, 1 à 5. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Nous allons lire Genèse 17, 1 à 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Vous voyez, dans la version, la Bible en hébreu, là où Dieu dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant », c'est El Shaddai qui est là. El Shaddai. Alors, nous allons partager 3 vérités essentielles en rapport avec ce nom El Shaddai. Nous avons d'abord la responsabilité de marcher devant sa présence et de marcher dans l'intégrité. Vous voyez, si nous voulons expérimenter la toute-puissance de El Shaddai, la capacité de rendre les choses impossibles possibles, nous devons marcher comme Abraham devant sa face, c'est-à-dire marcher dans la communion avec lui et marcher dans l'intégrité. Vous voyez, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Combien sont ceux-là qui sont intègres? Je veux parler à une jeune fille. Tu veux que Dieu te bénisse dans tes études. Tu veux que Dieu bénisse ton commerce, tes affaires. Mais tu n'es pas intègre. Tu vis dans la magouille. Tu vis dans le mensonge. Quand bien même tu viens à l'église, tu chantes dans la chorale, tu chantes dans le groupe musical, mais tu as encore des copains. Tu n'es pas intègre. Tu mens à tes parents, même quand on te donne de l'argent. Tu dis, j'ai des problèmes de scolarité, il faut acheter tel livre. Mais quand on te donne, tu ne dis pas la vérité. Sois intègre si tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la toute-puissance d'El Shaddai. Vous voyez, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, je suis El Shaddai. Et la deuxième chose, deuxième vérité, El Shaddai, c'est le Dieu de toutes possibilités. C'est-à-dire, dans son vocabulaire, il n'y a rien qui lui soit impossible. Ce que les humains considèrent comme impossible, pour lui, c'est possible. Pour le cas d'Abraham, c'est quoi?
Abraham était avancé en âge. Vous voyez, le texte dit bien, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, je vais dire à quelqu'un, ton âge n'empêche pas El Shaddai de te bénir. Ton âge n'empêchera pas Dieu de débloquer ton mariage, ta fécondité. À 99 ans, le médecin va te dire, bon, ça là, tu ne peux plus espérer. Et sa femme avait 90 ans, on peut dire troisième âge ou quatrième âge ou cinquième âge. On va dire qu'à cet âge, non, ce n'est plus possible parce qu'il a dépassé la ménopause. Mais quand El Shaddai intervient dans la vie de quelqu'un, ce que le médecin dit impossible, El Shaddai dit c'est possible. Ton âge ne peut pas t'empêcher. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as dépassé 50 ans, 60 ans, et les gens te disent, non, tu es déjà en retard, tu devrais déjà avoir ta maison, tu es en retard. Il n'y a pas de retard avec El Shaddai. Ce que les autres ont eu pendant 5 ans, pendant 10 ans, El Shaddai est capable de les débloquer en un instant, en une seule année. Ne sois pas préoccupé, je parle à quelqu'un. Oui, tu es une jeune dame, tu as perdu ton mari, ça fait des années, et que tu veux te remarier. Les gens t'ont dit, comme tu as déjà 3 enfants, c'est difficile. Mais j'aimerais déclarer que El Shaddai a déjà préparé un mari pour toi. Ce qu'il te demande, c'est que tu te consacres à lui. Tu te consacres à son œuvre. Et lui-même va mettre devant ton chemin l'homme qu'il a préparé pour toi. Ton âge ne l'empêchera pas de te bénir. Je vais dire à quelqu'un, tu travailles pendant des années et des années. Tu as déjà fait 15 ans de carrière. 20 ans de carrière, El Shaddai est capable de débloquer ta situation. Peut-être que les gens te disent, non, tu as déjà dépassé l'âge. À cet âge, tu ne peux pas accéder à la fonction publique. À cet âge, tu ne peux pas être nommé à tel poste. Quand El Shaddai intervient, il va faire quelque chose qui va étonner les hommes. Les hommes vont te dire, comment ça peut se faire? À 90 ans, si Sarah pouvait concevoir par la puissance d'El Shaddai, toi aussi, tu peux expérimenter les miracles. Crois que le miracle est possible dans le puissant nom d'El Shaddai. Troisième vérité, El Shaddai change le nom. Vous voyez, il annonce à Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Il change ton nom en fonction de ta destinée. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a collé. Peut-être que pour le moment, ton nom s'appelle humiliation. Parce que toute ta vie, tu ne fais que connaître l'humiliation. Au point où même tes petits frères, tes petites sœurs ne te respectent pas. Parce que tu es humilié, tu es toujours locataire. Tu as une petite maison, studio où tu habites. Toi, ta femme, tes enfants, tu n'es pas commode. Mais je déclare au nom de Jésus, que El Shaddai va changer ta situation. Si tu t'attaches à lui, avant la fin de cette année, tu vas déménager. El Shaddai va opérer les miracles. On ne t'appellera plus humiliation, on t'appellera gloire. Parce que quand tu t'appelles gloire, tu quittes l'humiliation, tu vas dans l'élévation, tu vas dans l'abondance. Je vais parler à quelqu'un. On t'appelait la maladive, le maladif, parce qu'il y a une maladie qu'on a jetée sur toi depuis que tu étais jeune fille. Au nom de Jésus, je déclare que le Shaddan change ton nom. Il change ton nom. Ne sois plus désespéré. Dans le puissant nom de Jésus, il te touche. On t'appellera santé. Tu vas changer ton nom. On t'a collé le nom de galéreux, pauvre, misérable. Mais El Shaddai va changer ton nom. Tu t'appelleras boss. Tu t'appelleras grande dame. Tu t'appelleras patronne. Vous voyez, il change ton nom en fonction de ta destinée. Je vais dire à une femme, oui, le Seigneur t'appelle à embrasser la carrière diplomatique. Dans quelques années, on t'appellera excellence. Au nom de Jésus, parce que Dieu te destine à être une grande diplomate. Il va changer ton nom. Je vais dire à quelqu'un, tu es encore, oui, conseiller adjoint au maire, dans le nom de Jésus. Dans quelques années, on t'appellera monsieur le maire, car il y a une étoile qui brille sur toi. Il va changer ton nom, parce que Dieu a une grande destinée. Parce que tu dois croire à la capacité d'El Shaddai de rendre les choses impossibles et possibles. Même si tu n'es pas encore connu, même si tu n'as pas de moyens matériels, tu n'as pas de l'argent pour battre campagne. Mais El Shaddai lui-même battra la campagne pour toi. Il va t'élever, il va changer ton nom.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons chanter ce cantique. Yes, yeah. 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 Sans Zola. Yes, yeah.
Gloire à Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Élevons nos voix. Bénissons son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Nous saluons tous les frères et sœurs fidèles à cette émission de prière. Si vous avez découvert OSB, veuillez partager avec des amis, veuillez partager avec des connaissances. Vous les parents qui habitez en Côte d'Ivoire, mettez en contact vos enfants qui sont partis aux études en Europe, aux États-Unis, au Canada. Afin qu'eux aussi, ils prient avec OSB. Le Seigneur va restaurer leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons avec l'étude de nom hébraïque de Dieu. Et nous en sommes au nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Nous allons prier, chacun va prier. Nous allons prier particulièrement à ceux qui sont âgés. Ceux qui disent, mon âge est avancé. Je ne peux plus enfanter. Je ne peux plus accéder à tel poste. Parce que j'ai dépassé 50 ans, j'ai dépassé 60 ans. Nous allons prier pour qu'El Shaddai le visite, pour qu'El Shaddai opère un miracle au nom de Jésus-Christ. Et toi-même, si tu es concerné, proclame et saisis les miracles d'El Shaddai au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, nous bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Ta parole déclare dans la 43e division des Psaumes, « Rends-moi justice, ô Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. » Ô Dieu, mon Dieu, ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous te rendons grâce pour la vie des personnes âgées, pour tous ceux qui ont dépassé la soixantaine et qui se disent que tout est perdu pour eux, comme tu l'as fait pour Abraham. El Shaddai, comme tu l'as fait pour ton serviteur Abraham, rends justice et défends la cause de tes servantes et de tes serviteurs qui se plaignent en disant qu'ils sont avancés en âge et qui n'ont rien accompli, qui n'ont pas réussi leur vie, alors qu'ils mettent leur foi et leur confiance en toi. Comme tu l'as fait pour Abraham,
intervient dans leur vie, ô Père éternel, et défend leur cause. Intervient dans leur vie, ô Père éternel, et souviens-toi de tout ce qu'ils ont fait pour l'avancement de ton œuvre. Intervient dans leur vie, ô Père éternel, et restaure leurs conditions. Seigneur, toi qui es le Dieu de bonté, toi qui es le Dieu de grâce, fais en sorte que tes enfants puissent rentrer dans cette grâce, dans un âge avancé comme tu l'as fait pour Abraham. Merci Père pour ta fidélité. Merci parce que nous avons l'assurance que tu renforces la foi et la joie de tes seigneurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour tous ceux qui souffrent des cas impossibles, des cas de maladie. Il y a peut-être un enfant qui est dans les comas. Il y a peut-être quelqu'un qui se meurt dans les soins intensifs. Ou le médecin a dit non, on ne peut plus espérer. El Shaddai est capable de faire un miracle, de rendre les choses impossibles possibles. Je vais dire à un parent, oui, ton fils est malade, ta fille est malade. Crois, saisis maintenant la guérison. Saisis la puissance d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Proclame pour dire Seigneur, je crois que tu t'appelles Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Guéris, guéris mon fils, guéris ma fille, au nom de Jésus, j'ai saisi la guérison. Proclamons cela, prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu des signes, Dieu des prodiges, Dieu des miracles, Dieu des cas impossibles, qui dit la chose arrive, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. À qui irons-nous? Nous sommes devant des cas difficiles, des cas de maladies incurables, où les médecins ont déjà prononcé leur diagnostic, que cette personne ne peut pas guérir. Nous savons que tu es le même, tu agis toujours. C'est pourquoi ce matin, nous levons nos mains vers toi. Nous nous prosternons devant toi, la face contre terre, pour te dire que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Dis seulement un mot au nom de Jésus de Nazareth. Que la personne a une maladie, on lui a dit qu'il va mourir. Que la personne se lève et marche. Cette femme qui ne va plus accoucher, que dans les jours qui arrivent, elle devienne grosse. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons, nous détruisons, nous balayons toutes ces paroles de malédiction sur tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom du lion de la tribu de Judas, au nom du ressuscité, au nom de celui-là qui prie pour nous, notre avocat, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Retrouvez la guérison au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à changer notre nom. Qu'il change ton nom. Peut-être que tu as toujours été humilié. Dis El Shaddai, change mon nom comme tu as changé le nom d'Abraham. Peut-être qu'on t'appelle la stérile. Que l'Éternel El Shaddai change ton nom. Qu'on t'appelle la féconde. Si tu étais toujours célibataire, quel Shaddai chante ton nom. Qu'on t'appelle maintenant le marié, la mariée. Au nom de Jésus, tu vas saisir cette parole et proclamer que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière.
Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous proclamons tes louanges. Grand Dieu, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Grand Dieu, nous te disons merci parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. Nous prions ce jour, ô Père éternel. Nous nous tournons vers toi et nous te demandons d'intervenir dans la vie de tes enfants qui traversent des moments de difficulté liés à leur nom. Ceux qui ont tellement souffert qu'on leur a même donné un nom qui correspond à leur souffrance. Toi qui changes, toi qui as transformé le nom Prince élevé en Père d'une multitude de nations. Change le nom de ceux qui souffrent. Ceux qu'on appelle célibataires, change leur nom en homme et femme mariés. Ceux qu'on appelle chômeurs, change leur nom en homme et femme employés ou entrepreneurs. Ceux qu'on appelle la stérile, change leur nom en femme ayant enfanté trois fois. Au nom puissant de Jésus-Christ, change le nom. Mets un sourire sur les lèvres de tes fils et de tes filles qui souffrent à cause de la marque sur leur vie. Change leur condition, ô Père éternel. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle, que tout blocage au changement de leur condition est ôté. Interviens de là où tu es, ô Père éternel. Interviens de ton poste privilégié, de ton poste élevé pour apporter un changement dans leur vie, un changement de leur nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je proclame que cette semaine sera une semaine de visitation spéciale dans le puissant nom de Jésus. Pour toute personne qui viendra au rendez-vous de ce samedi 3 septembre, que tu reçoives une visitation spéciale de El Shaddai au nom de Jésus-Christ. Et que tu viendras témoigner de la puissance d'El Shaddai, car il est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles dans le puissant nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Suivez OSB, Opération sur la Brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Ok, je me nomme Solange Kwasi. Je vis à Panama, je suis ivoirienne. Dieu m'appelle la grâce de vivre à Panama avec une dame. C'est un peu long, mais je vais couper. Depuis que je vis là-bas, la dame qui m'a envoyée, elle est décédée. Et comme Dieu est merveilleux, la dame, en mourant, elle a laissé son testament, mon nom dans son testament, que je ne la connais même pas. Tout d'abord, j'ai demandé à mon patron que je vais venir sur un cas payer mon bien. Il m'a dit que le bien coûte trop cher. Le bien coûte 1,5 million. Il m'a dit non. J'ai dit, Seigneur, je vais fêter avec mes enfants. Il savait qu'il y avait OSB en cours. Et ça arrivait ici, j'ai appris qu'il y avait OSB. J'ai dit, ok, cette fois-ci, Dieu ou rien, je vais faire OSB. Et puis j'ai eu l'argent, l'enfant m'a envoyé un message d'abord. J'ai dit, ah Sam, je vais t'appeler pour bien comprendre si c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai qu'on va t'envoyer l'argent. J'ai dit, ok. Donc l'argent est venu, et ils ne savent pas où l'argent est quitté. Donc j'ai payé le billet, $2,210. Ça fait 1,200,000 francs. Et je suis arrivé ici, et Dieu m'a fait la grâce de participer à OSB. Parce que bénis Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. J'ai beaucoup pleuré, mais il a essayé mes larmes. Que le Seigneur vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant, faisons monter un parfum de louange. Faisons monter notre adoration.